Bonjour à tous, bonjour à toutes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, la vidéo de mes cadeaux de Noël. Donc on va commencer tout de suite avec ceci. Donc ça c'est ce que j'ai reçu en gros. Donc en fait j'avais fait une grosse liste avec plein de schlesch. Le problème c'est que comme je l'ai fait tard, en fait j'ai pas calculé que quand ma mère irait, il y aurait déjà plus rien en magasin. Donc du coup toutes les nouveautés 2014 que j'avais commandées, et elles y étaient plus. Donc voilà, mes parents se sont débrouillés quand même, ça m'a quand même fait vraiment super plaisir. Donc j'ai eu ce lot de tasses américaines, donc j'avais vu sur... je crois que le plateau il vient de Maison du Monde, et les tasses de Maison du Monde aussi, ou alors c'était au Leclerc. Je me souviens plus très bien, mais enfin bref, quand je l'avais vu, j'avais vraiment craqué, parce que l'Amérique et moi c'est une grande histoire d'amour. Donc je l'ai eu. Et puis voilà, quand je serai chez moi, je pourrai offrir du café à mes amis. Ensuite, j'ai eu donc une fée Bayala, une fée des glaces. Ça, c'est la seule qui devait rester, je suppose. Mais franchement, moi j'adore les Bayala, donc j'en suis folle. Donc, du coup, ça m'a fait vraiment super plaisir aussi. Et là, j'étais dégoûtée. La licorne, donc avec les taches dessus. En fait, j'ai l'ancienne sur ma table de nuit. Et l'ancienne, il n'y avait pas les dessins, elle n'était pas tout à fait de la même couleur non plus. Et elle était toujours sur ma table de nuit, donc du coup je ne voyais qu'elle et j'avais l'impression en fait que celle-là il me la manquait. Et en fait, pas du tout, parce que quand je l'ai vue là, j'ai eu un doute, je me suis dit mais attends, mais il me la manque vraiment ou pas? Et puis j'ai regardé sur mon étagère et j'ai vu que je l'avais déjà. J'étais dégoûtée. Du coup j'ai vérifié, mais moi je l'avais vraiment demandé parce que j'étais persuadée que je ne l'avais pas. Enfin bref, ce sont des choses qui arrivent, donc elle va partir en custom, hein, donc j'en avais déjà une customisée, et voilà, j'en ai une autre. Et donc voilà, et ensuite comme j'ai eu un colis de mes grands-parents aussi, il est là-bas, et ensuite comme du coup j'ai eu pas tellement de choses comparé à ce que j'avais demandé, en fait mes parents et mes grands-parents m'ont fait un chèque en gros, et ça m'a permis de pouvoir après m'acheter ce que je voulais. Donc je suis passée au Jouet Club en espérant trouver une nouveauté 2014, Hacking Jouet pardon, et je suis tombée sur tous les Schlesch 2015, mis à part la jument Paint Horse. Donc je vais quand même vous faire la vidéo de mon avis sur les Schlesch 2015, parce que bon, la Paint Horse en fait elle a juste changé de robe, donc si me la manque c'est pas tellement grave. Sinon je les ai absolument tous, ils ont tous un nom, et je vous ferai la vidéo après. Donc je suis passée à Jouet Club, Hacking Jouet, j'ai trouvé ça. Ensuite, je suis passée à la Foire Fouille et à Jiffy et j'ai trouvé un grand sapin de Noël. Comme ça, vous voyez bien, comme ça peut-être à l'échelle Schlesch. Bon, il est peut-être un peu grand à la limite, mais pour faire des photos, ça va être vraiment super. Ensuite, toujours dans les rayons des santons, j'ai trouvé ceci. Donc ça, c'est un peu plus gros par rapport au Schlesch, mais je pense que si je le mets devant ou à côté des chevaux de trait, ça peut passer, ça peut tout. Ça peut toujours se faire passer pour de grosses graines, ou enfin voilà quoi, ça peut passer. Ensuite, j'ai trouvé un lampadaire à pile que j'ai trouvé vraiment magnifique. Il est vraiment super joli, donc échelle Schlesch aussi. Ouais, un peu plus petit, mais bon, avec des poneys ça passe, hein, regardez. Nickel chrome, donc c'est nickel. Donc ça. Ensuite, j'ai trouvé ceci pour faire des créations. Oui, parce que je me suis remise aux créations, donc... parce que je... En fait, les créations, moi, j'ai jamais tellement réussi, parce que je m'appliquais pas tellement, et là, la dernière fois, j'ai réussi à faire deux tapis, j'étais vraiment trop fan. Et donc, du coup, je me suis dit, allez, c'est parti, je me relance. Donc, j'en avais déjà des anneaux comme ça, mais écoutez, j'ai retourné toute ma chambre, pas moyen de mettre la main dessus, donc j'en ai racheté. J'ai également trouvé des rubans comme ça. À la base c'est pour décorer les boules de Noël, mais là du coup je vais pouvoir faire des licoles et des tapis avec. Et j'en ai donc pris un argenté et un doré. Ensuite j'ai trouvé ceci. Donc ça c'est un ensemble avec un sapin, deux arbres enneigés, deux petits buissons, une haie, une petite rambarde avec deux petits sapins et des arbres où il n'y a plus de feuilles dessus, que je trouve magnifique aussi. Donc tout ça pour faire de la mise en scène spéciale Noël, parce que sur mon blog je vais faire des histoires aussi. Il y en aura deux ou trois là qui vont être offerts à des cavalières. C'est dans mon blog, hein, sur mon blog, donc dans mon histoire. Ensuite j'ai trouvé des sacs comme ça, il y a marqué farine dessus. Mais bon voilà, à côté ça passe, donc je me suis dit ouais, pour faire croire qu'il y a des morceaux de pain dedans, ou peut-être de la nourriture pour chevaux.
Ensuite, donc j'ai le projet de faire un manège, donc du coup voilà, j'ai pris des... Coucou! J'ai pris donc des miroirs que je collerai peut-être un peu par-ci par-là sur les murs du... sur les murs de, du manège. Et ensuite j'ai trouvé donc des grelots, donc ils sont un peu gros pour les schlèches. Ouais, ils sont vraiment trop gros pour les... ils sont vraiment trop gros pour eux. Par contre pour le brieur je pense que ça peut passer, donc je vais essayer de faire des créations pour les deux avec ça, donc voilà. Et ensuite je suis passée à Jouer Club en espérant toujours qu'il y ait les nouveautés 2014, et en fait non, donc j'ai demandé, ils les recevront en fin février, elle m'a dit. Donc j'ai pris ceci, donc c'est un ensemble de sol, donc il y a de la terre, de l'eau, du sable ou de l'herbe jaune, enfin ça peut passer dans les deux on va dire, et de l'herbe d'une autre couleur, comme ça j'en aurai plusieurs. Et tout ça pour faire des photos du coup, j'ai trouvé ça vraiment cool. Donc comme ça je vais pouvoir utiliser mon fond de forêt, et puis comme j'ai acheté de... comme j'ai acheté deux tapis, ça va être bien. Deux tapis moi. Deux ponts, ça va être génial. Voilà, donc prochainement à venir la vidéo de mon avis sur Echelage 2015. Ensuite, une autre vidéo avec plein de photos parce qu'il fait encore assez beau et assez jour aujourd'hui pour que je puisse faire des photos. Je vais me lâcher. Voilà. Bah, écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu, que vous aussi vous avez été gâtés. Bah, si jamais vous avez fait une vidéo vous aussi avec ce que vous avez eu pour Noël, n'hésitez surtout pas, je serais ravie d'aller jeter un œil. Ah oui, je me suis aussi acheté une paire de gants d'équitation en L parce que j'ai de longs doigts et c'est toujours trop petit pour moi. Et un cure-pied parce que je savais plus où c'est que je l'avais foutu le mien. Voilà, donc comme ça il est neuf. Et voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu, que vous avez été très gâtés. Et voilà, à bientôt, ciao ciao. Et passez de bonnes fêtes surtout, ciao ciao.